Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne de votre député au service de la communauté. Pour nous permettre de mieux nous connaître, pour mieux travailler ensemble, pour mieux savoir ce que le voisin fait et ce dont le voisin a besoin. C'est ce que j'appelle communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Bonjour, bonjour, ici Luc Archambault, bienvenue à Studio Saint-Jean 2.0. Aujourd'hui, comme veut la tradition depuis les deux dernières années, une tradition qui a été établie par Louis Lemieux, notre fier député, on reçoit un artiste, l'artiste du mois. D'habitude, c'est lui qui paye ce plaisir-là, mais aujourd'hui, le devoir l'appelle, donc j'en profite. C'est moi qui me paye ce plaisir-là. Aujourd'hui, on reçoit, en fin de compte, un jeune artiste, nouvel artiste émergent qui s'en vient, en tout cas à grands pas, et il va être accompagné aussi d'un de ses, comment je peux dire, un complice, un mentor. Je ne sais pas s'il veut que je l'appelle artiste lui aussi. En fait, on va tout clarifier ça tout de suite. On va rejoindre nos artistes dans le parc Honoré Mercier à Iberville où l'œuvre d'art est installée, l'œuvre d'art de Antoine Paquin. Et on va sûrement voir à un moment donné son complice, Patrick Mona. Mais pour l'instant, on parlait avec Antoine. Salut Antoine, comment Salut. Ça va? Ah, ça va. Ouais, écoute, c'est un beau morceau de casse-tête, un beau bonhomme, c'est un beau symbole, je pense que c'est le symbole de l'autisme, parce que c'est le mois de l'autisme. Ouais, exactement. Ben, la forme de casse-tête représente l'autisme. Ça représente l'autisme, mais le bonhomme... ça représente que les autistes, c'est des humains comme n'importe qui, qu'on peut les intégrer à la société. Fait que c'est aussi ça qu'on recherche avec la forme d'un bonhomme qui, comment dire, qui est fondu avec une forme de pièce de casse-tête. Oui. On remarque ici l'échafaudage avec... un autre bonhomme qui est en train d'installer une pièce de casse-tête pour compléter le bonhomme. Okay. Alors, lui, il représente la personne qui aide la personne autiste dans son cheminement, dans leur vie. Comme par exemple, les parents ou un tuteur d'une personne atteinte d'un trouble du spectre de l'autisme. La personne qui s'occupe de la personne autiste. Ben voilà, c'est ça qu'elle représente. Alors, okay. C'est pour ça qu'il y a une cape sur dans le dos du bonhomme. Il y a une cape, ça représente que la personne travaille fort tous les jours pour aider la personne autiste à se développer. Oui. Et on remarque aussi la personne, il y a combien de bonhommes dans l'échafaudage? Il y en a un seul. Ça représente la solitude que certains parents... tuteurs ressentent en s'occupant de la personne autiste, ils se sentent seuls souvent dans cette situation. Okay. Alors, c'est ça qu'on veut passer comme message là-dedans. OK. Fait que finalement, l'œuvre d'art ou la démarche que tu amènes, tu veux sensibiliser le monde à pouvoir faire plus, qu'on fasse plus partie de la société, l'intégrer. En tout cas, les accueillir dans la société plus facilement et être aidant aussi auprès des aidants qui vous donnent un coup de main là-dedans, j'imagine. Exactement. Bon, c'est bon. Sur ton œuvre d'art, je vois qu'il y a des collants, je pense. C'est des collants de couleur. C'est pas des collants, ben c'est des des spots de peinture qu'on a mis dessus. Ça représente que dans toute situation, tout le monde est différent. C'est pour montrer la diversité des familles autistes. C'est pas tous les autistes qui sont pareils. Comme on dit, tout le monde est différent, mais tous les autistes aussi sont différents. Puis les situations peuvent être différentes. Alors, il peut arriver toutes sortes de situations différentes à travers la vie de tous les jours. Oui, j'imagine. C'est aussi ça que ça représente. Et je vais revenir à mon sujet des casse-têtes manquants. Ils sont installés à des endroits précis. Comme par exemple, dans la tête,
c'est pour les intérêts restreints et répétitifs, les activités répétitives. Souvent, les autistes vont souvent avoir des intérêts qui sont, tu sais, vont souvent rester dans leur bulle avec leurs intérêts, puis ils vont pas chercher avec d'autres intérêts que les leurs, par exemple. Ils vont avoir des intérêts fixes. OK. C'est pas l'autre... mal, ça. La pièce qui est installée, où est-ce que comme la bouche, la pièce, représente la bouche, ça représente la communication. Que souvent, la communication, soit les autistes envers les neurotypiques ou bien le contraire. Souvent, la communication, il va y avoir des petits troubles de communication. Les gens vont moins bien se comprendre entre eux. Souvent, c'est ça, ça peut arriver. Souvent. Okay. Après ça, dans le... Il y a comme... je sais pas si vous voyez. Ouais, on voit juste derrière dans ma tête. Le bras du bonhomme. Ça veut dire aussi dans la coordination, dans la coordination, souvent dans les mouvements, la personne autiste, dans les comportements, comportement, la personne autiste va faire différemment des personnes neurotypiques. Par exemple, mettons qu'on y va avec le physique, la personne autiste va peut-être avoir plus de misère avec leur motricité, par exemple, avec leur équilibre, ils vont avoir de la misère. Par exemple, jouer avec un ballon, ils vont avoir plus de la misère à apprendre certains mouvements que des personnes neurotypiques. Ils vont comprendre différemment. Ils vont faire différemment. Puis ça va leur prendre plus de temps pour comprendre, par exemple, la vraie méthode qu'il faut utiliser dans un certain sport, lequel. Là. C'est ça que ça représente. Et puis, dans l'angle où est-ce qu'on est, je sais pas si on voit la pièce manquante au niveau du cœur du bonhomme, le petit personnage dans l'échafaudage que je suis en train d'installer. Ça représente le cœur. Ça représente tout ce qui est autour de l'aspect social, les relations sociales. Okay. Ça, souvent, ça va être très difficile au niveau des personnes autistes de se faire des amis, d'être socialement accepté. Il faut qu'ils travaillent là-dessus tous les jours pour qu'ils soient acceptés dans une société intégrée. Puis leur contact aussi, souvent, ça va être dur pour eux autres là, de se faire des contacts comme des amis. Souvent, ils vont être rejetés à l'école. De l'intimidation. En tout cas, toutes sortes de belles choses comme ça. OK. On a passé par là. Mais quand même, ça t'empêche pas de jouer au hockey, par exemple, ça, là. Exactement. Tu joues au hockey, tu t'es quand même fait des amis. Il y a des amis qui t'ont aidé, je pense même, à dessiner ou à mettre à faire l'œuvre, dans l'angle où est-ce qu'on est, je ne sais pas si on voit la base là avec les mains, je ne sais vraiment pas, je vois pas. Est-ce que vous voyez là? Je le vois, là, c'est comme un tapis puis il y a des mains dessus, il voit. c'est ça, c'est des mains de personnes, de mes amis surtout, là, Ils se sont donné, ils ont donné leur volonté pour faire ça. Puis ils ont mis leurs mains dessus. J'ai choisi les personnes exactement pour qu'ils fassent ça, pour que ça soit représentatif pour moi. C'est des mains de tous mes contacts, tout le monde que j'ai pu rencontrer dans ma vie, pas tout le monde, mais je veux dire quelques personnes qui étaient disponibles cette journée-là et qui se sont données pour la cause, ils ont pu mettre leurs mains en peinture dessus. Ah, c'est un beau geste, ça. C'est une belle appréciation, une belle reconnaissance de tes amis, un bel appui, en fait, là, pour faire connaître... faire connaître. En fait, c'est pour souligner la possibilité... J'essaie de mettre des mots là-dessus, là, puis...
En fait, c'est pour faire connaître l'autisme puis les besoins spéciaux, un peu spéciaux, que vous avez Ouais. par rapport au monde. Au monde comme moi, par exemple, même moi, je pense que des fois, je suis là, j'ai la misère à dire un mot un par-dessus l'autre. Ça t'est venu. Comment t'es venu à construire cette œuvre-là, finalement? T'as eu une idée à un moment donné, puis t'as dit, ah, je vais me monter un genre de monument à l'autisme ou. Non, en fait, c'est ma mère qui m'a proposé de faire OK. l'œuvre avec Patrick Mona. Ah, Et là, OK. j'ai hésité parce que je m'embarquais dans une nouvelle aventure. Puis je me disais, est-ce que ça va être correct? Je vais-tu avoir le temps? Bon, finalement, ça s'est bien fait. Ben Fait oui. que j'ai accepté. Puis OK. j'ai réussi à. Je sais pas trop comment dire, entrer en contact avec Patrick pour faire l'œuvre que juste ici. OK. Puis Quand finalement, Patrick. on a relié ça avec l'école parce que j'ai dû manquer des cours pour faire ça, mais finalement, on a mis ça comme travail d'art plastique à l'école. Ah, c'est bon. Ben, c'est tout un Alors devoir d'art finalement, plastique. ça m'a fait comme un projet qui pouvait compter niveau scolaire aussi. Fait que Ah, pour ça a pu rembourser des cours ouais. que j'ai manqués. C'est bon. J'espère qu'ils vont te donner 100%, là, Colin. Ah, ben là, ça va être. Si mon prof écoute l'entrevue, sûrement Ouais. qu'il va donner un beau 100%, Ben, c'est on espère. on va y envoyer à ton prof. Il va te donner 100%, voyons. C'est Écoute, ça. ça sort de l'ordinaire, là. C'est un beau geste là, de vouloir souligner une différence, souligner l'autisme, en fin de compte, célébrer en fin de compte un peu l'autisme. Quand On j'ai vu soit plus fin. l'opportunité, j'en ai tout de suite profité pour que je puisse faire de quoi avec ça. Puis je trouvais que c'était une Ben oui. belle, comment dire, là, je sais pas trop comment dire. Une belle Une belle occasion occasion, c'est de ça, faire une belle valoir ça. occasion pour faire ça. Faire Quand j'ai vu connaître, puis l'opportunité, j'ai tout de suite embarqué. Puis t'as bien fait. T'as bien fait. Moi, je pense que c'est. On souligne l'autisme, mais en quelque part, il faudrait peut-être la célébrer parce que c'est pas une maladie, là, c'est juste une c'est juste un différence. syndrome. C'est Puis ça. c'est souvent le syndrome, c'est que plus ça va, plus il y a des gens, des enfants diagnostiqués atteints au Québec, atteints de troubles du spectre de l'autisme. OK. Et derrière la caméra, il y a exactement 66 miroirs placés debout qui représentent Ouais. qu'un enfant sur 66 est diagnostiqué TSA au Québec. Fait que ça en fait vraiment beaucoup. Ouais, Un enfant sur effectivement. 70, c'est pas rien. Je veux dire, il y a quand Non. même beaucoup. C'est beaucoup de personnes diagnostiquées, là. Oui, effectivement. Donc, les soins et les attentions vont se développer de plus en plus, j'imagine, pour Ouais, ben c'est supporter. pour ça que les gens doivent être aussi plus informés à propos de ça. Puis souvent, il y a aussi des stéréotypes reliés à ça. Je Ouais. veux dire, autiste, c'est. Il y a quelques années, c'était l'insulte numéro un, là. Ouais. Seigneur, C'est ouais. ouais. Si tu voulais C'était. traiter quelqu'un d'idiot, tu le traitais d'autiste, tu sais. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est épouvantable. C'est Ouais. épouvantable. C'est vrai, on ne le voit pas à la caméra. C'est vrai qu'il y a des miroirs. Pareil comme dans les autos où ce que on voit. Le miroir, c'est comme le miroir du passager. Donc, c'est le titre de ton œuvre, en fin de compte, c'est Closer than they appear. Donc, c'est plus loin Ouais. que ça a l'air, tu sais, ou c'est plus proche C'est que ça ça, a en fait, l'air. c'est plus près, c'est la personne réfléchie par le rétroviseur est plus près qu'elle le paraît. C'est ça. Donc, C'est c'est ça que ça. important. Donc, c'est C'est. important de mentionner ça parce que l'autisme, c'est plus près que ça Ouais. paraît. Finalement, ça nous concerne Exactement. tout le monde. Ça nous concerne tout le monde. Ouais, c'est Hey, pour ça écoute. qu'on l'a appelé Closer than they appear parce que dans les miroirs, il y a juste l'écriteau en anglais souvent qu'on Ouais. aperçoit dans les miroirs. C'est pour ça que on a décidé de la mettre en anglais. Parce qu'on n'a Ben. jamais vu, je veux dire, sur les miroirs, les objets réfléchis, les rétroviseurs sont plus près qu'il le paraît. Tu sais, il n'y en a pas vraiment d'écriteau de Mire, ça. c'est ça. Alors, on a mis ça Closer than they appear. Tout le Simple monde comme sait ça. c'est Puis, quoi. ouais, puis, je veux dire, c'est quand même facile à comprendre, là.
Absolument, absolument. Bien sûr. Hey, aïe, aïe. Hey, Colin. Hey, Antoine, c'est. Comment je pourrais dire? C'est louable, c'est admirable, finalement, que tu aies pu construire cette œuvre-là et que tu aies pu trouver un complice, qu'on va voir peut-être plus tard un petit peu, là, mais un complice qui va qui t'a donné un coup de main aussi là-dedans là, pour le réaliser. Donc, ça a été. Ben oui. Mais sans lui, c'est sûr, les matériaux, on n'aurait jamais eu ça. Je veux dire, sans son aide, on ne serait jamais arrivé là. Sans son équipe, je tiens à remercier aussi l'équipe qui nous ont beaucoup aidés. Oui, bien sûr. Donc, ça, on parle de Patrick Mona, évidemment, là, de l'autre, de l'artiste qui est dans l'ombre pour l'instant. Là. C'est ça. Il va bientôt apparaître. Il va bientôt apparaître, oui. Écoute, je te remercie beaucoup, Antoine, de cette rencontre-là. Puis, mon Dieu. Ça fait plaisir. Que dire d'autre? On va demander au monde de passer au parc Honoré Mercier, évidemment, sur la 9e avenue à Iberville. Ben oui. Pour visiter, puis célébrer l'autisme avec vous autres et comprendre, avoir, évidemment, une meilleure perspective de ce syndrome-là, finalement, qui fait partie de notre société, évidemment. Ouais. C'est super. Parfait. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci. On vient de jaser avec Antoine Paquin, notre artiste du mois, qui a conçu et a réalisé en partie, ou en réalisé l'œuvre finalement, mais il y a eu un acolyte, un complice finalement, qui donnait un coup de main, puis... Son complice, c'est Patrick Mona, notre artiste du parc Honoré Mercier de cette année avec son oie. Aujourd'hui, il a aidé Antoine à réaliser son œuvre pour le mois, souligner le mois de l'autisme. Comme ça, Patrick, comment est-ce que tu t'es arrangé pour donner un coup de main à Antoine là-dedans, dans cette réalisation-là? À la base, Antoine s'est adressé à moi avec sa mère, Mireille, pour créer une œuvre pour l'autisme. Et l'important, c'était de développer une structure, une démarche logique pour arriver à la création de cette œuvre-là. Donc, pour moi, la démarche artistique était un élément primordial dans toute cette création-là pour développer autant de la rigueur que... de l'ouverture vis-à-vis l'autisme. Et l'important, c'était l'expression pour faire connaître à la population par un geste clair, simple, cette dynamique, l'autisme. Oui, absolument. Voilà. Moi, comme je disais tantôt avec Antoine, l'autisme, c'est sûr, il faut la souligner, mais en fait aussi, il faut la célébrer parce que ça fait partie de la société maintenant, c'est indéniable. Totalement. Je me demandais aussi, là, on ne le voit pas à l'écran, peut-être qu'un peu plus tard, on va pouvoir les voir, mais il y a une série de miroirs qui sont devant toi, finalement, là, que les gens, quand ils vont aller dans le parc, vont pouvoir aller voir tout l'ensemble de l'œuvre. Comme disait Antoine tantôt, il dit c'est des miroirs qui... le miroir du chauffeur, pas du chauffeur, mais du passager, finalement, qu'est-ce que tu vois dans le miroir est plus proche que tu penses. Autrement dit, c'est toujours écrit dedans, closé dans le near peer. Oui. Faut-il que t'en trouves des miroirs? Faut tout faire ça, une soixantaine de miroirs? Oui. Oui. Dans chaque œuvre qu'on réalise, la contribution du public, la contribution d'entreprise permet... la plupart du temps, d'arriver à nos fins, d'arriver à livrer le message. Donc, des entreprises ayant le cœur sur la main permettent à la communauté de se refléter, jeu de mots, se refléter par rapport à la communauté. Et ça, c'est des entrepreneurs, des gens qui concède aucun laisser-aller au témoignage de la diversité, au témoignage de nous tous, gens de la communauté. C'est important pour moi.
Oui, c'est important d'inclure la communauté dans ces œuvres-là. L'inclusion, c'est ça peut pas passer à côté, là. Non, ouais. C'est la clé, hein, quelque part. Hein? La clé de la société. Oui, effectivement, c'est la clé, parce que sans la clé, qu'est-ce que je voulais dire, donc? On a eu comme un preview, pour dire en latin, de cette exposition-là. Elle avait été installée en quelque part, en campagne, là, pour nous agacer, notre curiosité. Puis, quelqu'un qui a vendu la mèche, puis ça avait été installé au gré des champs pour partir, comment je pourrais dire, son voyage. Oui, et totalement, Luc, M. Archambault, l'idée était vivement et très intéressante d'exprimer l'œuvre au départ dans un milieu naturel, dans une prairie, pour représenter cette solitude que certaines diversités peuvent avoir. Et pour moi, le fameux casse-tête seul avec ses miroirs et en arrière-plan le Mont-Saint-Grégoire était pour moi très significatif. Et Antoine a adhéré à cette idée-là puisqu'il devenait pour nous très expressif. Et Mathieu Giroux, qui a pris des photos incroyables, en a rendu vraiment toute sa valeur. Voilà. Oui, effectivement. C'est vrai que ça avait donné, comment je pourrais dire, ça avait vraiment attiré l'attention, ça avait donné comme une surprise. Moi, en tout cas, tous ceux qui... Tout le monde veut savoir où est-ce que c'est installé, puis bon. Oui! Une belle naissance pour l'œuvre, mais nécessairement le caractère public de l'œuvre, donc la visitation de cette œuvre-là devait se faire dans un lieu public. On sait toujours quand même que c'est une œuvre qui est éphémère, mais toutefois, on veut absolument, avec Antoine, donner une pérennité à cette œuvre-là. Donc, il y a des pistes d'intervention possibles avec cette œuvre-là pour qu'elle puisse non pas être qu'en pensée et que sur les médias sociaux, mais qu'elle reste une monnaie, un élément important de l'expression de cette œuvre. Oui, voilà. Oui, absolument. Même, il y a des... Là, l'œuvre va être là jusqu'à la fin du mois de mai ou d'avril, là, je me trompe peut-être? Donc, dans 2 à 3 semaines, tout dépendant. Donc, on évalue environ 3 semaines encore la présence de cette œuvre-là dans le parc Mercier, oui, à Iberville-Saint-Jean-sur-Cheu. Puis là, voilà. On va aller dans une autre destination encore pour l'instant inconnue, bien entendu. Elle fera un gros et grand voyage, et ça, c'est important qu'elle trouve son pied à terre, voilà. Oui, absolument. Je suis bien d'accord. Faut que ça me reste dans le paysage un peu, en quelque part, encore un peu de temps. Écoute, Patrick, merci beaucoup pour d'avoir participé, d'avoir fait donner un coup de main à la réalisation, puis à la réalisation, à la naissance de cette œuvre-là, pour nous sensibiliser à l'autisme, finalement, puis à l'acceptation, la célébration de l'autisme dans la société maintenant. Et donner, Luc, pour moi, un coup de pouce à Antoine dans toute sa démarche artistique-là, a été excessivement importante et révélatrice pour moi. Beau cadeau, finalement, Patrick. Ah oui, je me suis fait un cadeau et ça fait du bien à l'âme. Voilà. Oui, j'en doute pas. Et là. Merci beaucoup. C'est le temps à peu près qu'on a pour l'instant. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir participé, d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup de nous suivre sur notre chaîne YouTube Studio Saint-Jean. On vient de recevoir Antoine Paquin, jeune artiste autiste, qui nous présentait son œuvre avec son complice artiste Patrick Mona. Une belle rencontre, une belle œuvre à visiter et à aller voir.
au parc Honoré-Mercier à Iberville. Manquez pas ça, il en reste pour 2, 3 semaines maximum. Peut-être une belle petite promenade dans le parc, une journée douce. Prenez la chance d'aller voir ça. Ça vaut la peine. Aussi, je vous inviterai à aimer. Il y a un petit bouton, des petits pouces en bas là, qu'on peut aimer. Donnez-nous un petit coup de pouce. Et si, gênez-vous pas non plus pour vous abonner à notre chaîne. Comme ça, vous allez pouvoir suivre nos entrevues puis voir les autres qu'on a faites dans le passé. Aussi, si vous avez un sujet, un projet, une communication à vous faire entendre, simplement, contactez-nous, ça va nous faire plaisir de pouvoir vous rencontrer, vous jaser et faire connaître vos projets. Merci et à la prochaine.